qui viendront pour la paix. Chevaliers masqués pour la liberté des guerriers. Béni soit le livre du pouvoir. Montre-nous le chemin de la connaissance, toi qui détiens les secrets de nos ancêtres. Que faites-vous ici? Je veux le livre du pouvoir. Donne-le-moi. Il est hors de question que vous ayez ce livre. Il n'est pas ici. Sortez. Flexant, soyez maudits à jamais, bande de vauriens! Allez, finissons-en. Enfin, je l'ai! Ce moine n'espérait tout de même pas me résister. Hé! Hey mais c'est pas possible, mais je rêve! C'est encore cette vermine de Venom! Arrêtez-les! Ils ont volé le livre du pouvoir! Ne bougez pas, je vais leur barrer la route en haut du col. Seigneur, faites qu'ils les rattrapent! C'est grâce à ce livre que je vais retrouver la cité oubliée et la fameuse idole recouverte de diamants. Maintenant que je l'ai, je ne m'en séparerai plus jamais! Avec ce micro-émetteur de repérage, il vaut mieux prendre toutes les précautions. L'enjeu est de taille. Hé hey, mais c'est le moine de tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Moi, j'en crois pas mes yeux. C'est dédoublé ou quoi? Arrêtez-vous! Rendez ce livre, bande de voyous! Pousse-toi de là! Je ferais bien de montrer ça à Matty. Il faut que je récupère ce livre à tout prix. Merci beaucoup, Monsieur Trekker. Cette pièce complétera à merveille notre exposition. Mais je vous en prie. Tu ne devineras jamais ce que j'ai là. C'est une pizza au piment. Ah, mais des piments très spéciaux. Tu sais ce que tu préfères. Encore merci. Au revoir, à plus tard. Matt, viens voir un peu ici. Hey, attends. Regarde, T-Bob. Une pizza. Appétissant. Venom l'aurait volé à des moines. Quoi, la pizza? Mais non. Un seul livre. Oh, tu parles d'une bande d'égoïstes! Ils sont capables de garder cette pizza pour eux tout seuls! On va voir ce que le scanner optique nous donne comme renseignement. L'analyse des données historiques démontre que ce livre est la preuve que l'Empire Mong Paco a réellement existé. La légende raconte que la cité a mystérieusement disparu de la surface de la Terre il y a 15 siècles. Les habitants de cette cité engloutie adoraient une idole recouverte de pierres précieuses. La cité et l'idole sont protégées par un système de pièges dangereux. Une idole couverte de pierres précieuses? Waouh, formidable! C'est donc ça que recherche Venom. Il faut réunir le masque. Liste des meilleurs agents pour cette mission. Hondo McLean, spécialiste en armement et stratégie de combat. Nom de code, Firecracker. Alex Sector, expert en informatique et communication. Système Rhino, responsable du réseau. Bruce Sato, ingénieur spécialisé en mécanique. Nom de code, Rhino.
Brad Turner, pilote de moto et d'hélicoptère. Nom de code, Condor. Buddy Hawks, expert en métamorphose, renseignements généraux, copilote de Firecracker. À toi de jouer, Dusty. Tu es prêt, Scott? Oups, si je suis prêt, tu parles. Je ferai n'importe quoi pour avoir cette pizza. Mais attends-moi! Oh, tu te crois drôle? Ce petit moine minable ne prétend tout de même pas se mesurer à Venom. Le chasseur de poursuite est paré, j'aurai ce sacré livre. Résultat des renseignements demandés. Le livre contient un mélange inhabituel de substances. De quel mélange s'agit-il? Piment et fromage de premier choix. L'écran de contrôle relève une anomalie. Anomalie de type B, système électronique en alerte. Hé hey, les gars, on dirait un commando de Venom. Ennemi en vue, alerte rouge imminente. Je propose qu'on leur donne une correction avant qu'ils ne s'approchent. Trop tard, Alex, ils sont déjà au-dessus de nous. Eh bien, on n'a plus le choix. Il faut employer les grands moyens. On dirait que nous sommes attendus. À l'attaque! Je veux récupérer ce livre coûte que coûte. Libérez le bouclier magnétique. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu as un air un peu bizarre. Il faut aller vers la montagne. Pas une fois bizarre, tu te sens bien? Viens, on y va immédiatement, c'est important. Quelle mouche l'a piqué? Changement de trajectoire, pas mal la ruse. Tire avec un petit supplément. Ça y est, ils sont anéantis. Réduits en cendres, les minables. Brad a trompé Venom. On est les meilleurs. Qu'est-ce que tu dis de ça, Matt? Étrange. Pourquoi sont-ils partis? Pourtant, ils le voulaient, ce livre. Quel drôle de rocher. Tourne à gauche. Je n'aime pas ça. Une forêt. Tourne à droite. Oh, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Il va me faire tourner en bourrique, celui-là. Ou peut-être qu'il veut m'apprendre le slalom. Tu sais, je ne suis pas perdue. C'est ce que tu crois, toi? Voilà, nous y sommes. Je n'aime pas du tout cet endroit. Il est bien mieux pour s'amuser. Regarde cette bouche. On dirait qu'elle veut nous avaler, Scott. Enfin, T-Bob réfléchit, ce n'est pas une bouche, c'est l'entrée de Monk Paco. Allez, viens, n'aie pas peur, entrons. Tu crois que c'est vraiment indispensable? Oui, T-Bob. Oh, quelle impression étrange, j'ai été attirée ici malgré moi, je sais pas pourquoi.
Ah ! Oui, c'est là-dessous que doit se cacher la grotte. Envoie un missile. C'est incompréhensible. Le livre a disparu. Pourtant, Venom n'a aucun moyen de rentrer ici. Regardez, la vidéo espion a tout enregistré. Je vais repasser la bande. Scott! Mais on dirait qu'il a été drogué! Pas étonnant que Venom ait abandonné si facilement. Ils suivent le micro-émetteur. Scott va tomber dans un piège. Oui, c'est ça. L'ordinateur a déjà décodé le signal de repérage. Pas de temps à perdre. Énergétisation des masques. Contact. Bien loin d'ici. Ce signal vient de derrière cette porte. C'est ça que vous cherchez ? Les gars, il y a un signal qui vient de l'intérieur de la montagne. Le scanner optique nous indique qu'il y a une grotte dans cette montagne. Scott est sûrement à l'intérieur. Mais où est l'entrée ? Pas le temps de la chercher, Dusty. On va enferrer nos lasers. Beau travail, Brad. Allez, on y va, les gars. Tout ce que j'espère, c'est que personne n'aura trouvé Scott avant nous. La cité disparue de Mount Paco. Premier objectif, retrouver Scott à tout prix. C'est dangereux ici, faites attention. Rappelez-vous que cet endroit est truffé de pièges. Oh ! Des sables mouvants. Il faut se sortir de là. Canards, Belle, j'ai bien cru qu'on s'en sortirait jamais. Séparation en trois groupes. Il faut réduire les risques. Soyons prudents. J'ai une mauvaise intuition. Attention ! Je le savais, j'étais sûr qu'on irait de surprise en surprise. Ne dites pas, Brad, on va s'en sortir, t'en fais pas. Scanox, feu ! Scanox, feu ! Par ici, tout le monde ! Et vite ! Il était temps. On ne mourra pas comme ça. Je vais m'occuper personnellement de celui qui m'a volé ce livre. Désolé, Mayhem. C'est le masque que tu vas affronter personnellement. Flashor, feu! Scanox, feu! Poursuivons-les! Seulement je pouvais m'accrocher à ce truc. Ça va me tomber dessus, Scanox. Feu.
sont toujours là. Occupez-les pendant que je vais chercher le livre. Il faut d'abord retrouver Scott. Pour Venom, on verra après. Les rayons paralysants devraient les neutraliser pour un petit moment. Il est temps maintenant de jeter les rats hors du navire. Tu vas pas t'en tirer comme ça. Feu ! Oh non ! Laisse-moi sortir d'ici ! Tu n'auras pas le dernier mot, masque. Attends un peu. Je vais vous raconter. Depuis des siècles, les descendants de Monk Paco cherchent leur cité perdue. On sait que le livre du pouvoir détient la clé du mystère, mais on n'a jamais pu le déchiffrer. En ouvrant le livre, je me suis sentie bizarre, comme dans un rêve ou quelque chose comme ça, et je suis arrivée ici. Nous vous sommes reconnaissants à jamais. Nous ? Vous voulez dire que vous êtes plusieurs ? Mais bien sûr, nous sommes très nombreux. Au début, nous vous avons pris pour des bandits, comme cet horrible Mayhem. Mais nous nous sommes très vite rendus compte de notre erreur. Mais dites-moi, comment avez-vous provoqué l'avalanche de rochers hier ? Nous avons réuni toutes nos forces. Macross, où est-elle ? Elle était ici ! Oh, redescends en place, tu vois ! Mais j'ai bien le droit de m'amuser ! Comment tu me trouves, majorette ? C'est la statue légendaire de Monk Paco. La prophétie se réalise. Tu es notre roi. Cette prophétie dit que celui qui trouve la statue doit nous gouverner. Mais je suis un robot. C'est exact, oui. Donc tu ne peux pas être notre roi. Super content que tu m'emmènes voir un match de foot, papa. Ça te fait plaisir ? Attache ta ceinture. Oh non, c'est pas la peine, le stade est à 5 minutes d'ici. Bah oui, alors c'est sans importance. Sais-tu que la plupart des accidents arrivent fréquemment pendant un court trajet ? Ah non, je savais pas ça. Quoi qu'il en soit, avant de mettre le contact, j'attache ma ceinture, c'est une question de sécurité.